Marceau. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Bonsoir, bienvenue dans le studio. Et puis Tony Marshall, qui est avec nous, puisque c'est votre film dont on va parler, Tony. Bonjour. Bonjour et bienvenue à France Bleu. Je crois que ça fait 6 ans. Très admiratif de Lens, de son public, ouais. De cette région, de Lille évidemment, de son stade. Je vais retrouver dans deux jours. Mais c'est vrai que Lens a une très belle histoire. Et que, on avait envie de les revoir en L1 et en Ligue 1. Et c'est vrai que ce serait bien qu'ils aient les moyens de. Bah, enfin, ils les ont visiblement là. Ouais, puis Antoine Comboiré fait du bon travail. Il a toujours fait du bon travail partout où il est passé, Antoine. Donc rendez-vous lundi prochain, vous restez là pour l'œil. Il y a le concert évidemment vendredi. Vous allez passer le week-end avec nous dans le Nord, peut-être. Non, on ne se quitte pas. Non, on ne se quitte pas. Je suis là vendredi et samedi soir. Et puis. Et si vous restez lundi s'écoute aussi. Et vous pouvez faire l'émission. Hein, avec merci. Les sentiments, la difficulté, on voit aussi bien dans c'est très français, hein, Marivaux, plus l'amour est compliqué, plus c'est bon, plus on complique, plus on se déguise, plus on se travestit, plus on ment, plus on raconte, plus finalement on se dévoile et plus finalement l'amour est bon. Donc c'est un peu toujours ce principe-là. Alors comment on décide, Sophie Marceau et Patrick Bruel, de rejoindre l'aventure et d'incarner ces personnages? D'abord en leur proposant. Et on se dit, voilà, et puis je crois qu'ils avaient eu tout d'un coup, Patrick, c'est quand même séducteur number one, donc de lui proposer un abstinent, j'avais une chance sur deux. Soit c'était ça va pas la tête, c'est ça qui soit c'était, non, c'est pas ça. Ouais. Soit c'était, oh quelle bonne idée, ça change, voilà. Et Sophie, c'est vrai que dans un premier temps, j'étais pas sûre qu'elle accepte, et elle, non seulement elle a accepté, mais en plus, vous verrez dans le film, enfin vous l'avez vu, Elle a joué ce rôle avec une gaieté, elle y est allée, elle s'est donnée, elle a quelque chose de tellement généreux, et c'est une tellement belle actrice que et nous sommes toujours en dessous de la vérité, oui, absolument. C'est vrai qu'il y a des jolis aux auditeurs, vous allez dans Tu veux ou tu veux pas, c'est le titre du film, Tu veux ou tu veux pas, vous allez vraiment découvrir des patients qui vous consultent tous les deux, hein. Patrick et Sophie, et qui ont vraiment des sexualités très surprenantes, quoi. Donc je pense à ce couple notamment qui, la femme veut rester vierge et veut se préserver, donc, et ils vont utiliser des moyens dérivés pour avoir des relations sexuelles, mais très, très imaginatifs. Ils vont faire absolument tout ce qui est possible et inimaginable, sauf l'acte. L'acte en lui-même. C'est assez amusant, la manière absolument candide avec laquelle il exprime cette réponse. Mais plus ces couples défilent devant nous, et plus on s'aperçoit que finalement, nous deux, on est plutôt normaux, en fait. Ben oui, c'est ça, c'est que voilà. Vous, en tant que repenti, on va dire, de sexe addict, vous, Sophie, qui êtes une trempeuse d'homme, quand même, hein, vous le chauffez bien, Lambert. Pas que moi, hein. Oui, il n'y a pas que vous, mais... Oui, elle cherche à s'attacher. Vraiment, je crois que c'est vraiment... Enfin, je ne vais pas dire une petite moule qui cherche son rocher, mais c'est un peu ça. Qui veut s'accrocher. Ça va être repris. C'est Lambert. Vous, Patrick? Oui, moi. Sexe addict? Oui, absolument. C'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'il saute sur tout ce qui bouge? Non, pas du tout, justement. Il ne saute plus, il n'a plus le droit. Enfin, il n'a plus le droit. Il est en rehab. En rémission, et il est en train de suivre une cure d'abstinence absolument drastique, et il est à la fin de cette cure. Presque un an. Il est presque au bout d'un an, donc imaginez bien que c'est un petit peu sensible. Il est chaud. Et il cherche absolument à aller au bout de cet engagement, et il s'en donne les moyens. Mais il s'avère qu'à un certain moment, arrive dans son bureau quelqu'un qui n'a pas les mêmes intentions que lui. Judith. C'est vous la tentatrice, Sophie? Voilà, c'est ça, terrible, hein. Judith, mais elle est tellement sympathique. Oui, elle est bien sûr, c'est sympathique. Et puis alors, elle est tellement... attachante. Oui, attachante et généreuse, elle s'offre comme ça, tout simplement. Elle comprend pas pourquoi il lui résiste, enfin, on ne comprend pas non plus, nous, hein, voilà, c'est ça, c'est que personne n'a compris. Parce qu'elle ne sait pas, elle ne connaît pas la vie de ce garçon qui, en plus, est psychothérapeute des affaires de couple. Ouais, conseiller conjugal, en plus. Conseiller conjugal, voilà, il a l'air un petit peu coincé, mais bon, je compte bien sur mes charmes pour le séduire, et en fait, pas du tout. Mais vous ramez, hein, vous ramez quand même pendant un bon moment. Ah oui, je rame. Ouais. C'est terrible quand même. C'est un de mes plus grands rôles de composition quand même. C'est un grand rôle de composition, c'est de tourner avec Sophie Marceau. J'ai pendant une semaine à Judith Sophie Marceau. Ouais. Donc conseiller conjugal, et vous travaillez ensemble. Hein, donc vous allez vous retrouver à travailler vraiment ensemble, à recevoir les patients, les consultations. Qui sont encore plus dingues que nous. Oui, parce qu'on voit des scènes vraiment Tony Marshall, vous allez vous régaler, c'est de la composition, enfin c'est de la création, on va dire. J'ai eu un film qui s'est annulé 4 semaines avant un tournage. Donc ça, avec Depardieu. Exactement. Voilà, c'était un peu compliqué. Donc ça arrive. Et donc voilà. Et après, j'ai travaillé sur cette comédie. Et
avec Sophie et Patrick. Et nous, on n'est pas partis 4 semaines. Voilà, non, ils sont restés. On est restés et très contents d'être restés. On peut le faire. Alors on a pensé à pas mal de lieux et on s'est dit, le Nord m'a toujours fêté de manière extraordinaire. Il n'y a aucun Français qui ait chanté sur la scène du Stade Pierre-Mauroy. Enfin, à Paris, Yana, personne n'a chanté. Oui, c'est vrai, exactement. Dépêche-moi, t'as pas pu. Oui, on sait, mais heureusement, on va remettre les choses en place maintenant. On va montrer que tout est possible dans ce stade. Okay. Voilà, quand on a ouvert la location, ça s'est rempli instantanément. Donc, j'ai lancé l'idée d'en faire un deuxième. Là, tout le monde m'a regardé avec des grands yeux. Je dis, mais pourquoi pas, allons-y, c'est la fête. Et voilà, ça y est, le deuxième aussi. Donc, c'est juste un... C'est juste un moment qui... Bon, moi, j'ai un trac de dingue, je vous dis la vérité. C'est vrai que, oui, parce que c'est pas... Bon, faire le stade, oui. Deux fois, oui. Finir la tournée, oui. Mais c'est en direct sur TF1 à 20h50. Ah ouais. C'est la deuxième fois que TF1 fait ça. Ils l'ont fait avec Johnny Hallyday il y a 2 ans. Bien sûr, j'ai les jetons. C'est pas la même chose. Voilà, c'est une grosse pression. Bon, on a une belle... C'est à la fois... Ça va être un concert, évidemment, mais c'est aussi une très belle émission, puisqu'il y a pas mal d'invités. Alors, il y a des guests, ouais, il y a des invités. J'ai entendu quelques noms, alors je ne sais pas, Patrick, si j'ai entendu Johnny. Johnny, non. Non. Pour l'instant, non. Pour l'instant, Johnny, ça reste... enfin, c'est la dernière... c'était la dernière interrogation, parce qu'il est sur Los Angeles et ses enfants entrent à l'école, donc c'est plus compliqué. Non, on a Florent Pagny qui vient. Il y a Jean-Louis Aubert. Qui nous fait un grand plaisir, on a répété cet après-midi, je pense que ça va être le feu dans le stade. Il y a la jeune Louane qui m'avait tellement touché à The Voice quand elle avait chanté cette chanson Un homme heureux. Et j'ai eu envie de partager quelque chose avec elle. Elle est lilloise, je trouve que c'était une jolie manière de faire un clin d'œil. Vous verrez avec quel clin d'œil on le fait. Véronique Sanson sera là. Génial. Ça, c'est un grand plaisir parce qu'elle a beaucoup compté dans mon parcours. Morane avec sa voix extraordinaire. Qui a accepté de se prêter au jeu. Et c'est Mickaël Youn qui va présenter tout ça. Le MC. Avec une énergie extraordinaire. Il a préparé une surprise qui va dater. Et il y a beaucoup d'effets spéciaux. Les extincteurs, ces choses-là, retirées avec Mickaël. Mickaël, c'est nos limites. Mais je pense qu'il a préparé des trucs très marrants. Et puis évidemment, c'est TF1, tout le monde, on a mis les moyens. On occupe ce stade. C'est pas du tout le même spectacle que celui que j'ai fait pendant toute la tournée. C'est un spectacle. Fin de la tournée. Voilà, c'est la fin. Oui, on y va. Bonsoir, bonjour chez nous.